C'est de la bonne! Tu m'en fasses! Quoi? Mais non! C'est de la farine! Je m'en suis mis partout! J'essaye de faire un gâteau comme peau d'âne! Tiens, ma petite, rien ne vaut les recettes de grand-mère! Mettre le doigt au four ainsi que les yeux qui ont trempé dans le sang? Oh, je me suis trompée de carnet! Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Moi, en tout cas, ça va toujours, toujours, toujours! Et comme ça va bien, j'ai envie d'en profiter pour vous, vous parler d'un livre! C'est vrai que j'ai rarement parlé de guitare sur ma chaîne, hein, on est d'accord avec ça. Peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous l'avez reconnu, il s'agit bien de Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy chez les éditions Michel Lafon. Dans ce roman, je trouve le titre assez joli mais à la couverture intrigante, nous allons avoir deux histoires. Deux histoires en une, un chapitre pour Eden, un chapitre pour Sarah, vice-versa. Pas de jalouse, on va suivre ces deux femmes. Eden, ça se passe en 2014, elle vient d'emménager avec son mari, Jack, en Virginie occidentale, il me semble, dans la ville de New Charleston. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. C'est un couple qui essaie depuis plusieurs années d'avoir un bébé, mais sans succès, elle en peut plus, ça lui pense sur les nerfs. Et un soir, Jack rentre avec, dans les bras, un chiot et dans l'autre main, une rose. Or, Eden, il pète un câble parce qu'un chiot ne remplacera jamais le bébé qu'elle veut avoir. Mais malgré tout, le chien, aussi attendrissant qu'il soit, au début, il décide de le rendre. Mais comme Jack, il travaille la semaine, du coup, ça va pas pouvoir... c'est pas possible. Donc, il va demander à Cléo, qui est une fillette du quartier, de venir s'occuper du chien, vu que Eden n'en veut pas. Mais une relation va s'installer entre Cléo et Eden, et puis Eden va se laisser avoir par le chien, parce qu'il est super mignon, aussi, quand même, il faut l'avouer. Et en parallèle, le chien va découvrir une trappe dans la cuisine et dans la trappe, qu'est-ce qu'elle trouve? Une tête de poupée, une tête en porcelaine d'une poupée, mais pas le corps, et tout le mystère est là-dedans. Cléo et Eden décident donc de mener l'enquête sur ce mystère auprès des habitants de la ville. C'est comme ça qu'on nous le vend, mais en réalité, il n'y a pas tant de suspense sur ce mystère-là. Il n'y a pas vraiment en fait de mystère, c'est un faux mystère, et puis on n'est pas... L'action d'Eden va plutôt se concentrer sur elle, sur son couple, sur la relation qu'elle va avoir avec Cléo, le chien, effectivement, comment elle va s'intégrer dans la ville qui est très 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 accueillante. On est moins porté par cette enquête, très clairement. En 1859-1862 à peu près, pendant cette période-là, on va rencontrer Sarah Bryne, je prononce très mal, qui est la fille du célèbre John Bryne. Et pourquoi je dis célèbre? Parce que c'était un abolitionniste. J'en ferai au moins une fois dans cette vidéo, c'est cool. C'est-à-dire qu'elle le surprend un soir, elle découvre son activité secrète, il héberge chez lui des esclaves qui se sont enfuis, et il va les aider à fuir en fait vers le Canada, ou en tout cas à passer une certaine frontière. C'est-à-dire qu'il a créé en fait, ça s'appelle le chemin du fer clandestin, donc c'est une société secrète, qui aide à faire ça, elle le découvre un soir, et elle va le surprendre parce qu'en fait elle va dessiner, elle a un grand talent de dessinatrice, elle va dessiner des paysages sur la carte qui est censée donc aider les esclaves à s'enfuir. Et du coup par ce fait elle va devenir également elle-même membre du chemin de fer de la clandestinité. Sauf qu'être membre du chemin de fer clandestin, et c'est pas si facile que ça. Et je vous en dis pas plus, mais y a un petit côté un peu dramatique forcément à tout ça. Vous l'avez compris, donc c'est l'histoire de ces deux femmes, et je vais passer au point positif tout de suite d'emblée de jeu direct. J'ai adoré, mais littéralement, mais adoré l'histoire de cette Sarah, de Sarah. Rien que pour toi, ma Sarah. Elle a réellement existé, son père aussi. Alors bien sûr, il y a une partie un peu fiction parce qu'on va suivre un peu sa vie, ses amours, etc. qui je pense sont un peu imaginées. Mais elle a réellement existé et la période... Enfin, je savais pas en fait qu'il y avait eu les chemins de fer de la clandestinité et on voit son rôle dedans. Et je savais pas ça et je suis super contente d'avoir appris ça. Et c'est important de rappeler que l'abolition, ça s'est pas fait tout de suite. Ça a été très dur justement. C'est loin d'avoir été gagné facilement et aisément. Et je trouve ça génial en fait d'avoir eu ce point de vue de des personnes blanches qui aidaient ces esclaves. Qui n'était pas en fait dans cette mentalité d'esclavagiste. Et je trouve ça génial d'avoir été de ce point de vue-là et aux côtés de Sarah. D'autant plus que l'auteur à la fin, et alors ça j'aime bien, nous raconte en fait ses années de recherche qu'elle a faites sur Sarah, sur comment en fait c'est parti l'histoire de ce bouquin. Et voilà, je trouve ça intéressant en fait d'aborder ce sujet-là. L'autre point positif justement, c'est que c'est un sujet qui est très bien abordé parce que c'est un livre qui est
dense, mais qui est très 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 bien écrit. Ou très 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 bien traduit, mais c'est pareil. C'est bien écrit et du coup, bah, ça met en valeur tout ça. Puis je me suis aussi beaucoup attachée au personnage de Sarah, ce qui a moins été le cas avec Eden. Ça sent les points négatifs, ma partie préférée. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs dans le sens où c'est vraiment juste mon problème personnel avec Eden que j'ai pas spécifiquement apprécié comme personnage, de loin quoi, enfin sans plus, et d'autant que j'ai pas trop compris en fait à quoi servait cette partie là, vraiment pas. Je trouve que la partie de Sarah se suffit à elle-même, d'ailleurs l'auteur a fait des recherches sur elle, pourquoi en fait on s'est pas concentré que sur elle, enfin si l'idée c'était de faire croiser deux histoires en une, dans ce cas là autant le faire jusqu'au bout, parce que là elles ont aucun point commun, elles sont pas de la même famille. Eden elle va jamais s'intéresser à Sarah, même à son passé, à cette Sarah Brown, jamais. Donc je comprends pas en fait l'intérêt de Eden. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre cette femme-là, surtout que, voilà, je vous l'ai dit, le mystère de cette poupée n'est pas le centre de son récit, hein, enfin de cette partie-là, donc bon, je m'interroge un peu. C'est peut-être, voilà, le seul point négatif que j'ai trouvé, parce que, non pas qu'il faut en trouver, mais parce que, en fait, les chapitres où il y avait Eden, c'était un peu fastidieux pour moi, parce que j'avais pas envie de la retrouver. Je trouvais que ça faisait pas avancer l'histoire, alors que dès que j'étais dans les chapitres avec Sarah, mais j'étais à fond dedans, parce que j'ai adoré ce personnage, et c'était super intéressant ce qui lui arrivait, et même c'était émotionnellement parlant, c'était fort, et il y a une authenticité en termes d'histoire qui est réelle, qui me plaît énormément. Eden c'est vraiment de la fiction pure et simple, et même s'il y aurait eu Eden toute seule, j'aurais lâché le livre. Bon, j'ai pas vu le rapport entre les deux, voilà, tout simplement. Ceci dit, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, vous, sur ce livre, si vous l'avez lu. Ça m'intéresse en fait de savoir si justement des gens ont eu un coup de cœur incroyable pour ce livre, que Eden ils l'ont adoré sa race, qu'au contraire ça apporte carrément quelque chose. Enfin, je voudrais bien en fait échanger avec quelqu'un ou plusieurs personnes qui a aimé, qui pas vraiment de mon avis à moi. Et bien sûr, ça me plairait aussi d'échanger avec des gens qui justement partagent mon avis aussi. Enfin bref, ça me plairait aussi d'échanger avec des gens qui ne l'ont pas lu et ça leur donne envie de le découvrir ou pas. Bref, ça me fera super plaisir de discuter avec vous comme d'habitude, et je vous souhaite de super bonnes lectures, vraiment. Je vous dis à très 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 bientôt et je vous fais de gros bisous. Alors ma petite, tu t'en sors? Oui oui mamie, rien ne vaut la simplicité. Voilà, il me reste plus qu'à mettre l'aiguille à l'intérieur. Comme Podane à la place de la vague. Voilà. Paul, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu veux un gâteau? Oui un peu, c'est gentil de me proposer. Parce que je t'aime.